quand on n'a jamais gagné un championnat d'Europe, bon, on a gagné les championnats de France, mais quand tu n'as jamais gagné un championnat d'Europe, que tu es toujours deux ou trois fois, par exemple, tu es deuxième ou troisième, il y a un moment, tu voudrais quand même bien te le prendre, le truc. Et là, c'est terrible. Parce que je me rappelle de la finale au 71-2 à Eastwick d'Inter contre Diélis. Et la nuit, j'ai pas fermé l'œil, ne serait-ce 5 minutes, quoi. Donc, tu arrives au billard le lendemain, tu as l'impression que tes muscles, ils sont. C'est comme si tu jouais avec des bandelettes, comme une momie, qui viendrait en disant, voilà, vous êtes là, mais maintenant faites des points. Le trac, on en parlait tout à l'heure, le trac est une chose terrible. Terrible, il y a. Mais pourtant, au moment où tu rentres en compétition, il y a quand même quelque chose d'autre qui s'opère. Parce que. C'est pour ça que je dis toujours, la technique, c'est ce qui reste avec le trac. D'un autre côté, le trac est très très important, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que Caruso disait une chose qui me semble pas mal, il disait, seuls les cons n'ont pas le trac. Oui, c'est Et en intéressant. effet, parce que si tu es intelligent, tu prends tes responsabilités, t'as quand même, tu ne veux pas passer ridicule. Donc, obligatoirement, s'il y a du cerveau, il y a une peur. Or, on a besoin de cette peur quelque part pour la compréhension et tout, mais il faut la transformer en maîtrise, ce qui est tout à fait différent. Voilà. Et ce sont deux mondes intéressants. Et là, c'est ce qui va rester. Et dans la finale, eh bien, c'est ce qui était resté, parce que j'ai joué, j'avais pas de bras, j'avais rien, mais j'avais quand même fait une série de 180, quoi. Et c'est ce qui a emporté le morceau. Évidemment, quand c'était la première fois que tu es champion d'Europe et que tu attends ça depuis tellement longtemps, tu as une émotion phénoménale. Or, cette émotion phénoménale, paradoxalement, elle ne me semble pas liée obligatoirement avec le degré de truc. J'en veux justement pour anecdote, le championnat de France junior à Amboise. Ça a été ma première très grande émotion, puisque dans la finale que je disputais à Jean-Pierre Labeille en 200 points sur des billards de 2,80 m, je lui ai fait la finale en un coup. C'est lui qui a commencé, je crois qu'il a dû faire 7 ou 8 points, et j'ai pris les billes et j'ai fait les 200. Mais à ce moment précis, j'avais fait la demi-finale en deux coups déjà. Et la finale en un coup. Et à ce moment précis, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Bien sûr, j'explose en sanglots, mais ce que je ne me doutais pas, c'est que tout à coup, toute la salle qui regardait, la salle des spectateurs, allait elle-même sortir le mouchoir de la poche, tellement tous les types étaient émus. C'était extraordinaire, ça. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Bertrand de Jouvencel dans le sport billard de l'époque. Oui. Dans une carrière très longue comme ça, il est évident que c'est clairsemé de joies formidables, mais il y en a d'autres qui se détachent davantage que d'autres. Et Eastwick, évidemment, Eastwick d'Inter, c'était une grande joie parce que c'était la première fois que je devenais champion d'Europe. Or, il faut bien commencer. Mais la deuxième grande joie, en dehors après de la finale à Buenos Aires, au 71-2, où là je suis champion du monde pour la première fois, ça a été aussi à Moyerus, au 47-1, championnat du monde de 47-1 à Moyerus, où je n'ai pas gagné le championnat du monde, mais où j'ai réalisé la série de 300. J'ai fait cette série avec deux rappels en long. Et là, c'est quand même
très original dans ce beau petit théâtre de Mollerus de voir le public espagnol, très, très, très aficionado, hein, très, se lever et applaudir pendant 20 minutes quand même. Hein. Et 20 minutes montre en main, quoi. Avec Trofas, qui était le président de l'Union mondiale aussi. C'était extraordinaire. C'est là que les Espagnols, après, ils disaient « Connaissons la quinta esencia !» La quinta esencia, ils disaient. La quintessence de je sais pas quoi, mais la quintessence. Championnat du monde de la bande à Bruges en 1978. Et le championnat du monde se passe d'ailleurs dans le très beau beffroi de Bruges. Et là, c'est une anecdote phénoménale parce que le record du monde de la Syrie à l'époque était détenu par Djelis avec 168 points qu'il avait réalisés au championnat d'Europe, je crois, de pentathlon, ou championnat du monde, peu importe, de pentathlon à Gand, pour finir une partie à la bande, où à l'époque, les pentathlons se jouaient en distance longue. Il n'y avait pas de mini-pentathlon. Et donc, tout le monde disait, bah, si on veut battre ce record, il faudra faire quasiment la partie sur mouche, quoi. Et c'était la première fois où la partie était... Ça a été d'ailleurs... La partie, je tiens à le souligner aussi, parce que ça c'est rigolo, la partie la plus rapide du monde. Parce que c'est ce que je dis dans l'harmonie du billard, mais la partie en totalité, c'est-à-dire les trois reprises, a duré moins d'un quart d'heure. Ah oui, parce que tu as épuisé la série. La série de 199 a duré grosso modo... 8 minutes, 8 minutes et demie. Oui, c'est une situation exceptionnelle. Les points se font sur place. Hein. Voilà. Hein. La position idéale. Voilà. Alors évidemment, les gars disaient oui, mais y avait un trou, etc. Voilà. Et ça, c'était. Le trou, tu l'avais repéré déjà avant. Bien avant. Donc, tu t'es arrangé d'amener. Bien avant. J'ai fait mon trou d'ailleurs à partir de ce jour-là. C'est ce qu'on appelle faire son trou. J'ai creusé. Et c'est amusant parce que c'est un truc qui s'est répandu, ça. Je pense que c'était un peu voulu, à la fois par. Peut-être autant par Djelis que par Kölmans, mais peu importe, je ne leur en veux pas. Et. À Emmerlord. Dans le championnat d'Europe d'après, je reprends la position et je finis sur 112. Et à peine la série finie, Kölmans vient me féliciter et tout ça. Et moi, là, je suis terrible parce que je lui dis, tu as vu, j'ai retrouvé le même trou. Hein.
Et là, il m'a regardé en comprenant bien ce que je disais, quoi. Tu vois, j'ai retrouvé le même trou. Parce que, si tu veux, il y avait la télévision belge qui également filmait le championnat du monde à la bande à Bruges. Et il y avait la partie... Moi, j'étais en train de jouer contre Scherz, où je vais réaliser ce record du monde. Et sur la table d'à côté, il y a Kullmann-Zielis. Alors évidemment, le match filmé, c'est Kullmann-Zielis. On regarde pas du tout le truc. Et je suis en train de réaliser cette série comme ça, et la télévision belge filme toujours Zielis et Kullmann qui finalement ne peuvent plus jouer. Parce que tu peux plus jouer quand tout à coup, imagine un peu le truc, à côté, le type, il fait, c'était en néerlandais, voilà, mais en néerlandais, c'est la même vitesse qu'en français, c'est-à-dire 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, parce que ça allait à peu près à cette cadence-là. Et quand toi, tu es à côté et que tu as des coups difficiles et tout, tu peux pas jouer. Psychologiquement, c'est très, très difficile de jouer quand c'est comme ça. Eh bien, le gars de la télé belge, ils n'ont pas bougé, ils ont continué de filmer des trucs, alors qu'ils auraient pu dire, attendez, il se passe un petit truc à côté, là, ça vaudrait peut-être le coup de filmer. Non, eh bien, pas du tout. Ils sont restés là-dessus parce qu'ils étaient partis pour filmer Kullmann-Zielis, voilà. Et alors, l'anecdote suprême, c'est que, bien entendu, il y a eu deux choses. Déjà, à l'époque, il y avait par partie deux arbitres. Normalement, un arbitre habitait 100 points et le deuxième arbitre arbitrait les autres 100 points. Mais là, quand tu fais 199 en un coup, tu ne peux pas dire au gars, attendez, maintenant on change l'arbitre. Hein? Donc c'est le même arbitre qui a tout arbitré. Mais c'est là où ça devient drôle. C'est parce que le premier arbitre, lui, était allé au bar dans le beffroi qui était de l'autre côté du beffroi. Il est allé boire une bière en attendant. Et 12 minutes après, il voit arriver le premier arbitre. Alors il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il lui dit, il ne se passe rien, c'est que tu n'as plus besoin de bouger. Il dit, le match est fini. Et l'autre lui dit, mais allez, tu viens de commencer, qui fait. Et ça c'est prodigieux, parce qu'évidemment, c'était la première fois au monde où on voyait que 200 points à la bande pouvaient être réalisés en 12 minutes. Voilà. Voilà. Donc là, tu es à la troisième reprise. Oui, et les reprises ont été les suivantes. J'ai fait un point à la première reprise, zéro à la deuxième, et au 24e point, je me suis donné la série américaine. Position idéale. Voilà. Il y avait déjà 24 points de fait. Et donc, j'ai commencé à jouer cette série comme ça. Je ne vais pas la refaire, mais c'est histoire de voir. Voilà. Donc, à peu près. Elles ne doivent pas bouger. Si elles bougent, la série va avorter. Donc, on est obligé de ne pas bouger les billes. Et ce qui explique, évidemment, qu'ayant un petit chemin comme ça, les points s'enchaînent à une très grande vitesse. C'est même encore plus rapide que l'américaine à la libre. Oui, parce que tu as intérêt à avoir du rythme, là. Puisque, à la fois du rythme, et en plus, le chemin est plus court. Hein? Donc, et l'arbitre en néerlandais comptait Invidrid, Fir, exactement. Bon, mais ça allait quasiment à cette vitesse-là. Hein? Et d'ailleurs, je revois encore cet arbitre quelque part. C'était incroyable parce que, pour l'anecdote, il faut raconter que quand je suis arrivé à 50 points comme ça, les Belges riaient. Je parle des spectateurs belges. Ils riaient. Ils disaient, mais c'est rigolo, ça, comme série. À 100, ils rigolaient déjà beaucoup moins. À 150, la plus personne ne riait. Parce qu'ils disaient, mais il va aller au bout. Ils avaient compris, quand même. Et donc, à 168, le record était battu, 169, le record était battu, et évidemment, les cinq derniers, bon, j'ai un peu écarté les billes pour assurer le coup. Hein? Voilà. Et donc,
Ce qu'il y a une merveilleuse, c'était de voir cet arbitre flamand qui tout à coup, parce qu'en Flandre quand même, il n'y a pas le même élan qu'ont les Espagnols ou le truc, c'est quand même un peu plus froid. Mais il m'a pris ma main, mais j'ai compris qu'il m'embrassait. Mais il ne pouvait pas le faire parce que ça ne se fait pas là-bas. Mais il m'a pris ma main avec ses deux mains et il m'a regardé en disant vous venez de faire un truc que je ne reverrai plus de ma vie, quoi. Voilà. Et c'est ça, c'était très amusant comme. Je pars tout seul et avec les grèves. Oui. Parce qu'en plus, il se faisait que Argentinas Lineas était en grève. Donc j'arrive à l'aéroport et on me dit, mais il y a les grèves. Je dis, mais je ne peux pas. Il faut que je parte. J'ai le championnat du monde, ils ne vont pas déplacer. Et la fille me dit, bon, je vais vous mettre sur Langue Chile, qui était la compagnie chilienne. Donc je suis parti sur une autre compagnie. Et j'ai dû changer je ne sais combien de fois d'avion pour arriver jusqu'à Buenos Aires. Mais j'y suis arrivé quand même. Les billards étaient différents parce que comme rien ne peut entrer dans le pays, puisqu'il y avait l'embargo sur les frontières, rien ne pouvait entrer dans le pays, sinon c'était hors de prix. Tu te rends compte qu'à Buenos Aires, il réussissait ce paradoxe merveilleux, à mes yeux. C'est que dans le pays où ils mangent le plus de viande et où il y a le plus de cuir, il n'y a pas de procédé. Je trouve ça, c'est un paradoxe fantastique. Et Berardi venait en Belgique et il repartait avec des valises entières de procédés qu'il revendait dans le pays où il y a le plus de cuir. Il suffisait qu'un gars se mette à faire des rondelles avec un emporte-pièce. C'est fou quand même. Et c'est vrai, hein. Berardi, chaque fois qu'il venait faire une compétition, il remportait une valise entière qu'il achetait chez Chandriver, là, qui était le gars qui en France faisait les procédés. Mes matchs. Parce que on était 8, il y avait donc 7 matchs, et je me suis retrouvé avec 12 points. Donc j'ai perdu un match. Je crois que j'ai dû perdre contre Müller. Je crois, je ne me rappelle plus hein, exactement là. Mais je crois que j'ai dû perdre contre Müller. Soit contre Müller ou soit contre Berardi. Je ne me rappelle plus. Mais eux aussi avaient perdu un match. Donc tout le monde avait perdu puisque Müller, Berardi et Giervers terminent avec 10 points. Et moi je suis le seul avec 12. Mais parce que je bats Giervers en finale. Voilà. Donc j'ai joué Manuel Giervers en finale, qui était également un Argentin. Il y avait 3 Argentins au départ. Et Yazbek, qui était au départ, a abandonné en cours de championnat. Il a complètement abandonné. Berardi a été champion du monde à Düsseldorf devant Marty et Kullmans. Il avait gagné le championnat du monde de Düsseldorf devant Marty Eckelmans. Donc, il savait jouer au billard. Hein. Voilà. C'était un coup de queue très court et de poignet, comme c'était à l'époque. Ouais. Et alors, on jouait à Buenos Aires, parce que ça, c'est quand même pour l'anecdote, mais ça a son importance. On jouait à Buenos Aires sur des billards non chauffés, mais avec des bandes chauffantes. Ce qui fait que les bandes renvoyaient exactement comme des flippers. C'est-à-dire que la bille revenait plus vite qu'elle n'était partie. Il fallait en tenir compte. Hein. Mais quand j'ai vu ça, ce n'était pas pour me déplaire, parce que j'avais plutôt une mesure, un peu trop de mesure pour le 71-2, parce que c'était un jeu où on peut forcer un peu. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit là, il y a bon pour moi. Voilà. Thank you.
Alors c'était très amusant parce que déjà avant de partir, le Jockey Club de Paris, dans lequel je donnais des cours déjà, avait eu la gentillesse d'envoyer un telex au Jockey Club de Buenos Aires, où il y avait également une antenne, de les prévenir de mon arrivée. Ce qui fait que, bien entendu, j'ai dû visiter par obligation presque le Jockey Club de Buenos Aires. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'eux avaient encore à Buenos Aires un maître d'armes. Et il se fait que ce maître d'armes était lorrain, comme moi, puisqu'il avait la devise « qui s'y frotte, s'y pique ». À partir de ce moment-là, je gagne donc la finale et arrive l'ambassadeur de France pour me féliciter. Et il me demande d'où je viens, d'où je suis natif. Et je lui dis, je suis natif de Lorraine. Et il me dit, mais d'où de la Lorraine? Je lui dis, je suis nancéen, hein, je suis né à Nancy. Et bien il dit, moi je suis né à Bar-le-Duc. Donc, à ce moment-là, il me parle en patois lorrain, et je lui réponds de même. Donc la glace était tout de suite rompue. Et il m'a dit, on va faire une soirée chez le consul à l'ambassade de France. Voilà. En 1978, à Reden, aux Pays-Bas, et à l'époque, tous les championnats d'Europe ou du monde aux Pays-Bas étaient télévisés en direct. Hein. C'était une chose, ça faisait partie du programme. Et là aussi, il y a une anecdote sympathique parce que donc, je gagne le championnat du monde en finale contre Dialis, et le lendemain, qui était donc un lundi, comme on n'était pas loin d'Amsterdam, je dis à ma femme, je lui dis, écoute, ma première femme, je lui dis, écoute, j'aimerais bien aller visiter le Rijksmuseum, qui est quand même la référence en matière de peinture flamande. Et on se trouve en plein Rijksmuseum, et tout à coup, ça fait très drôle quand vous êtes plongé dans la peinture flamande, et que dans le même temps, vous arrivez une volée de gamins, la classe entière qui vous tombe dessus et qui vous dit « proficiat menhir », ça veut dire « félicitations monsieur » en néerlandais. Et je me demandais pourquoi. Et évidemment, ils avaient tous vu la finale à la télévision et comme ils avaient vu ça, évidemment, ils m'avaient tout de suite reconnu. Oui, la force, la puissance de la télévision. Donc on est filmé, hein, c'est commenté, comme j'expliquais, dans des petites cabines plexiglas par le gars et tout. Et on a débattu avec Ludo Dielis, on a débattu de la finale quand même pendant 2h30. C'est-à-dire que la finale a duré 2h30. Alors que pour comprendre, pour donner une idée, en général on pouvait faire les 400 points en 40-45 minutes. Hein. 2h30, c'est énorme, parce que je ne sais pas ce qui s'était passé pour les arbitres. Je joue contre Müller, et j'ai un point comme ça. Donc j'ai un point comme ça qui va me donner la ligne. Hein. Je vais prendre la ligne là-dessus. Donc, je joue le coup.
suis obligé de prendre la ligne. Bon. Je joue au coup comme ça, je prends la ligne. Et l'arbitre me compte faute. Alors, je dis Varum. Ben, pourquoi? Il me dit Schlechte Stoß. C'est-à-dire quasiment que t'es. Tu t'imagines sur ce coulé? Mais sur le coup, très sincèrement, hein, j'ai cru que je devenais fou. J'ai cru que je devenais fou. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu es en championnat comme ça et tu as un truc comme ça? Le réflexe que tu as, c'est que tu te tournes vers ton adversaire. Tu dis, il va intervenir, il va dire. Et je me tourne vers Müller. Et Müller me regarde et il me fait, ya ya, cherche tous. Je savais quand même que j'avais pas fait que t'es, quoi. Hein. Et je suis, pour la première fois de ma vie, très sincèrement, hein, je suis allé m'asseoir et il s'est passé la meilleure chose qui puisse arriver à ce moment-là. Tu sais ce que j'ai eu? Je me suis mis à pleurer. Mais pas à pleurer comme ça, sans le vouloir, ça s'est mis à couler naturellement. Parce que je me disais, mais on ne peut pas être plus injuste. Je veux dire, je ne pensais pas que l'homme pouvait arriver à ce degré de truc. Et le soir, au bar de l'hôtel, il y a Jelis qui me dit ce qui vient de se passer, ce que j'ai vu, parce que lui jouait sur l'autre billard. Il m'a dit, ça, je ne pensais pas que Müller pouvait faire une chose comme ça. Mais il dit, l'arbitre, il ne peut pas se tromper, là, c'est pas possible. Là, il n'y a même pas l'ombre d'un doute, tu vois, le truc. Et mais il dit, ce que Müller a fait, voilà. Mais maintenant, je vais te raconter, c'est qu'à la suite de ça, lui, il a vu que j'ai pleuré, évidemment, il voyait bien ce que j'étais. Mais je pleurais dignement, je vais dire. Il ne pouvait plus jouer. Il est allé au billard, il avait les billes. Mais je sentais, il ne pouvait plus jouer. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il y avait quelque chose, sa conscience qui devait le travailler, qui devait dire, là, j'ai fait un truc trop fort. Tu vois? Et au bout de quelques coups, il rate. Je jouais 141 encore. Eh bien, je lui ai fait les 141. Et là, l'arbitre, il a pu compter faute après. Hein. Et j'ai fait les 141. Et à la fin, très sincèrement, c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je lui serre la main ou je lui serre pas la main? Parce que quand même, c'était un peu gros. Et je lui ai serré la main, mais en lui disant, Schlechte Stoß. Et il a compris.